Quand on n'arrive pas à te manipuler, on te trouve orgueilleux, ingrat ou impoli. Il y a des gens vraiment bizarres dans ce monde. Ils jugent, critiquent, maltraitent, méprisent et se moquent des autres. Puis ils rentrent chez eux et ne comprennent pas pourquoi leurs vies sont pleines de frustration, d'amertume et de désespoir. Tu vis ta vie tranquillement dans ton coin, mais les gens trouvent quand même le moyen de te critiquer. J'ai beaucoup de défauts, mais au moins je suis conscient d'en avoir. Certains ont beaucoup de défauts, mais connaissent seulement ceux des autres. J'ai de la peine pour ces gens qui ont besoin de critiquer les autres pour se sentir mieux. Si tu t'arrêtes à chaque fois que tu entends un chien aboyer, tu n'arriveras jamais au bout de ta route. Alors laisse les autres te juger, dire du mal sur toi, parler derrière ton dos car c'est là leur place, derrière toi. Le mépris des autres n'affecte pas ta valeur devant Dieu. Faites attention aux critiques. La pierre que vous jetez aujourd'hui contre moi sera celle sur laquelle vous tomberez demain. Tu ne pourras jamais demander aux gens d'arrêter de te critiquer, mais tu peux arrêter de les écouter. Dans la vie, il faut répondre aux imbéciles par le silence et aux cons par la patience. Les heureux ne perdent pas leur temps à faire du mal aux autres. Le mal est une chose réservée aux gens malheureux, frustrés. La jalousie est un parasite qui se nourrit volontiers de tous les mensonges et qui devrait être soigné par la vérité. Les personnes jalouses crieront tes échecs et chuchoteront tes réussites.